et faire passer des dossiers de demande de prêt qui seront forcément retoqués par le service des crédits, c'est une perte de temps, de travail et ça génère du mécontentement auprès des clients. Paul, vous êtes avec nous ? Oui, oui, bien sûr. Oui, tant mieux parce que vous en avez eu deux ce mois-ci, des dossiers délicats. Monsieur et Madame Giraud et celui de Madame Roussel. Ouais. Il devait être plus drastique. Écoutez, pour les Giraud, je comprends pas puisqu'ils ont les garanties nécessaires, hein. Quant à Madame Roussel, on ne peut pas la laisser tomber, ça fait 20 ans qu'elle est dans l'agence. Voilà, en plus, elle a trouvé un projet de reconversion après des années de chômage. Faut lui faire confiance et l'aider, sinon qu'il fera... La concurrence. Si elle veut jouer les assistantes sociales, c'est son problème. Écoutez, je suis pas d'accord, voilà. Le risque est minime avec Madame Roussel. On peut la traiter différemment que comme un numéro de dossier, voilà. Ok pour Madame Roussel. Pour la réunion de demain matin, n'oubliez pas vos plans épargne-logement. Paul, viens dans mon bureau. Je voulais l'annoncer en réunion, mais devant votre comportement, je me suis dit que ce serait un mauvais message à faire passer à l'équipe. Que celui qui conteste la politique de la banque reçoive le prix du challenge interagence. D'ailleurs, si j'avais pu m'y opposer, je l'aurais fait. Mais heureusement, j'ai pas ce pouvoir. Alors félicitations et bon week-end à Biarritz dans un 5 étoiles. D'aller faire des envieux, à commencer par moi. Merci beaucoup. Et pour les Giraud ? Fichez-moi le camp. Et pensez à dormir de temps en temps, parce que là, vous avez l'air d'un zombie ce matin.